On m'appelle les amis. On va parler des Georgia Guidestones assez rapidement parce qu'il faut que je m'en aille travailler. Ok, ben je me lève, j'ouvre mon téléphone, je vais sur Facebook, je vois ça. Georgia Guidestones, une qui s'est effondrée. C'est Dieu! Je suis comme, ok, c'est pas Dieu. Mais les Georgia Guidestones se sont effondrés. Fait que pendant un petit 5 minutes, je suis devenu fébrile. Asti, man, on avance, c'est parti. Enfin, quelqu'un s'est décidé. Moi, je suis loin de là-bas, là. Je me connais pas en explosif. Puis, je joue ce genre de choses-là à d'autres. J'ai d'autres buts. Fait que. Après ça, je me suis dit, ah, c'est trop beau pour être vrai. Pourquoi? C'est un peu comme quand les francs-maçons se sont fait brûler trois loges à Vancouver. Événement isolé. Par exemple, ils ont pogné tout de suite. Les gens qui ont fait exploser Georgia Guidestones, ils les ont pas pognés encore. Personne n'en parle. Les francs-maçons, normalement, si on leur avait fait ça, francs-maçons, jésuites et compagnie, ils chercheraient en tabarnak c'est qui a fait ça. Réfléchissez un petit peu, là. C'est un psy-up. Si on avait vraiment fait ça à leur monument, ils chercheraient c'est qui et la dynamique dans les médias et tout ça serait bien différente. Vous remarquerez aussi que quand les trois loges ont été incendiées, c'était un événement isolé. Fait que c'est juste pour. Parce qu'à partir du moment où on les brasse trop, les francs-maçons, puis ils se sentent un peu exposés, ce qu'ils vont faire, c'est qu'ils vont. Jouer la victime. Fait que là, on a attaqué les pauvres francs-maçons. Puis là, ils en profitent pendant ce temps-là pour dire que c'est juste une fraternité là, qui font du bien, puis qui veulent être meilleurs les uns et les autres. Fait que c'est ça. Là. C'est ça qu'ils font, tu sais. Fait que ces Georgia Guidestones-là, c'est comme la preuve de ce qu'ils sont en train d'implanter. Puis de faire. Fait qu'ils l'ont fait disparaître pour les générations futures. Elle a explosé. Mais vous remarquerez, si vous lisez les Georgia Guidestones, parce qu'il y a moyen de trouver ça sur Internet, vous pouvez voir en bas complètement, il parle d'une capsule temporelle à être ouverte en, mais on voit pas la date. Fait que, dans le fond, la capsule temporelle est due pour être sortie de là. Fait qu'ils ont juste fait exploser les Georgia Guidestones. Pour. Certains diront que c'est un rituel. Ceux qui croient bien gros au satanisme, tout ça, vont dire que c'est un rituel. Moi, je me mouille pas là-dedans. Je vous dis juste ça. Puis, fait que dans le fond, il fallait aller chercher la capsule temporelle qui est enterrée sous les Georgia Guidestones. On pouvait pas vraiment creuser pour aller chercher, ça serait probablement affaissé. Donc, il faut les enlever. Fait qu'ils ont fait exploser. Le lendemain, ils ont crissé à la terre avec un déloader. Fait que c'est ça, les Georgia Guidestones, c'est un psy-up. Dans le fond, ils veulent juste aller chercher leur truc sous terre. Qui a été enterré, une capsule temporelle. Je sais pas qu'est-ce qu'ils ont mis là-dedans. Puis, en fond, ils en ont profité pour faire exploser les Georgia Guidestones. Les mettre à terre pour nous faire penser à nous qui les combattons, qu'on est en avance, là, tu sais. Tout le monde est bien fébrile. Mais c'est un psy-op, pasti. Tu sais, aux nouvelles, ils expliquent c'est quoi les Georgia Guidestones. Il n'y a pas grand monde qui sait c'est quoi, à part nous autres. La plupart du monde savent même pas que ça existe. Fait que ça va passer dans le beurre, dans les médias, tout ça, tu sais, ces choses-là. Le monde cherche pas plus loin. Puis ça, ils me font bien rire quand ils disent que ça a été bâti par quelqu'un, mais on peut pas trouver c'est qui. Là, il y a une compagnie quelque part qui a bâti ça. Granite quelque chose, dont je me rappelle pas. Puis, eux autres, ils savent c'est qui. Il suffirait d'aller voir. Puis certains vont dire que c'est Skulls and Bones.
qui était l'initiateur de ce monument. Il y a aussi quelqu'un qui s'appelle J.E. Lee, qui a tout fait la numérologie, tout ça, la gématria, puis encore là, les chiffres ne mentent pas. À un moment donné, ça doit pas être juste des concours de circonstances. Fait que les Georgia Guidestones, c'est un psy-op. Ouais. Regardez le stuff de G.E. Lee. Lui, sur son profil sur Facebook, J.E. Lee. L.E.E. Fait que lui, il a fait tout le calcul, toutes toute la numérologie, tout ça. Puis ça fait encore comme la plupart de leurs affaires. Fait que les Georgia Guidestones, c'est pour vous faire penser qu'on avance, mais on n'avance pas pantoute, pas plus. Tout comme les loges francs-maçons qui ont été incendiées, c'est un psyop. Eux autres, ils l'auraient fait exploser pareil. Fait qu'ils en ont profité pour, un, jouer dans la tête de ceux qui pensent contre eux, et en même temps aller chercher ce qu'il y a sous le sol, ils l'auraient fait de toute façon. Fait que de plus en plus, les francs-maçons, les jésuites et compagnie perdent du terrain. Ça fait qu'ils vont faire de plus en plus de mouvements pour camoufler ce qu'ils sont en train de faire. Parce qu'à un moment donné, ça reste que c'est des preuves, là. Même si on dit que ça, personne ne sait c'est qui a fait ça. Fait que c'est ça, c'est un psy-op pour vous autres. Je sais que moi aussi, là, pendant 5 minutes, j'étais fébrile. J'ai dit, man! C'est parti! Un peu comme quand les loges de francs-maçons ont brûlé. Ah man, c'est parti! Mais j'ai vite compris que après 5 minutes, là, quand le cerveau se met à analyser tout ça, tu te rends compte que c'est de la petite boîte. Psy-op! C'est une opération psychologique. Fait qu'on n'a rien de fait encore. Voyons voir où ils vont aller avec ça. Aujourd'hui, je viens de me lever, j'ai pas ouvert mon téléphone encore, sauf pour faire cette vidéo. Fait que c'est ça, si vous regardez la numérologie, si vous regardez, vous réfléchissez un peu avec ce que je vous ai dit, puis il va en sortir d'autres trucs, là. Ça vient de se faire, puis j'ai pas vraiment suivi. Fait que regardez le côté numérologique de tout ça, qui est intéressant. J.E. Lee. Je l'ai dans mes amis Facebook, vous pouvez l'ajouter ou juste le suivre. Il pose des trucs vraiment intéressants sur la franc-maçonnerie et anglophone. Fait que c'est ça, allez voir ce que lui a fait sur. Que j'ai pas beaucoup de temps ce matin. Je pense que la vidéo va pas mal être terminée. C'était rien de bien excitant, là, mais juste pour que vous réalisiez que les Georgia Guidestones, c'est un psyop. Là, je vois plein de gens qui trippent, là, qui posent des affaires sur Facebook. C'est du monde allumé, mais un peu comme moi, là. C'est juste que leur 5 minutes est plus long. Que vous allez comprendre assez vite ce qui se passe. Fait que ne vous laissez pas. Dites-vous que si c'est dans les médias puis que c'est sorti de cette façon-là, alors que quand il y a eu des incendies, ils ont cherché en tabarnak les personnes. Puis ça a pris, je crois, une journée ou deux, puis ils savaient c'était qui. Voyons voir avec les Georgia Guidestones qu'est-ce qui va se passer. Dites-vous que si les francs-maçons sont pas plus intenses que ça à se défendre contre l'attaque qu'ils ont subie, ou tout autre sous-groupe, posez-vous des questions. Moi, si on ferait exploser mon monument en avant de chez nous, j'en ai pas, là, mais je tripperais pas tellement, puis ça se passerait pas comme ça se passe présentement. Fait que je vous laisse là-dessus, les amis. Mais ça va, je vais être mère.